Nadia m'a écrit, Nadia m'a écrit. Elle m'a invité à sa fête d'anniversaire. Youhou! Oh, Nadia, mon petit poussin d'amour préféré à moi. Désolée, mon petit éléphant, je t'aimais beaucoup, mais je vais être obligée de t'exploser la face. Ah. Ah. Je vais pouvoir lui faire un super cadeau pour son anniversaire. Un diamant pour mes fiançailles avec Nadia. Puis-je vous aider, jeune homme? Bonjour, monsieur. Ce serait pour acheter une bague. Quel genre de bague, exactement? J'en ai plus de 3991 ici. Je peux voir la bleue, là. Alors, celui-ci est un superbe saphir de Birmanie. Un saphir? Et ça coûte cher? Si ça coûte cher, il fait 5 carats et il vaut plus d'un demi-million d'euros. C'est pour mes amoureuses, Nadia. Je sais pas si vous la connaissez, mais... Dites donc, jeune homme, vous moqueriez-vous de moi? Allez ficher le camp d'ici et tout de suite. Et vous pouvez pas me faire une petite réduction si je vous montre ma carte de piscine? Je vous dis de ficher le camp. Ouais. Chers clients, bienvenue dans notre supermarché où nous vous proposons une super promotion sur 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Oui, chers clients, j'ai bien dit 3 flacons de shampoing à la pomme verte pour le prix d'un. Chers clients, encore une super promo. 4 paquets de bons biscuits à la gelée de coin pour le prix d'un. J'ai bien dit 4 paquets pour le prix d'un. Vous, monsieur, par exemple. Oh. Oui, monsieur, c'est à vous que je parle. Vous aimeriez bien faire un joli cadeau à votre amoureuse. Eh bien, rendez-vous au rayon lingerie féminine où une charmante hôtesse vous remettra un lot de 4 mini-culottes en dentelle pour le prix d'une mini-culotte en dentelle. Bonjour, mon petit monsieur. Tu cherchais une petite culotte? Eh bien, voilà notre promo. Titeuf, tes doigts, Manu. Je te jure que le bijoutier s'attire, il avait un œil de caméléon en verre. Tu veux dire comme les mutants extraterrestres? Pire. Je pense à un truc. Tu voudrais pas être amoureux de Nadia avec moi, toi aussi? Comme ça, on pourrait partager la bague. T'es givré, toi. Ça se partage pas, une amoureuse. Ouais, c'est vrai, t'as raison. Comment je vais faire, alors? Ah, j'ai peut-être une idée. Allez, suis-moi. Vous pouvez me dire ce que vous faites au juste? Chut, il faut pas en parler, secret des grands chefs. Ah bon, d'accord. En tout cas, soyez sages. Nom de l'opération, gros gâteau d'anniversaire. Maintenant, il manque plus que la bague à mettre dedans, comme dans les histoires de Prince Charmant. Toi, t'occupes ma mère pendant que moi, je m'occupe de ce que tu sais. S'il vous plaît, madame, est-ce que je pourrais vous parler? J'aurais besoin des conseils de quelqu'un. Mais oui, bien sûr. Eh bien voilà, c'est à propos de mon pépé et de ma mémé. Faut pas le répéter, mais je crois bien qu'ils sont sur le point de divorcer. Mais quel âge ont-ils? Eh ben, mon pépé, il a 87 ans et ma mémé, elle en a 86. Ferme ta boîte à camembert ou je te téléporte sur la planète des mutants extraterrestres. Le pire
dans tout ça, c'est qu'ils arrêtaient pas de se lancer leurs dentiers la figure en se criant dessus. Mon Dieu, mais c'est vraiment terrible. Maintenant, ne t'inquiète plus, mon petit Manu. Je vais téléphoner à ta maman afin d'avoir une discussion avec elle. Ah, oh non, 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 non. Elle fait une grave allergie au plastique du combiné du téléphone. Oh. Ouais, c'était pour Nadia, mais elle s'est étranglée avec, alors tiens. Je ne veux pas le savoir. J'en ai plus qu'assez de tes bêtises. File. Oh, c'était un cadeau pour Nadia, mais... File, je te dis, tu vas me nettoyer cette cuisine jusqu'à ce que ça brille. D'accord, maman. Tchè, voilà ce que c'est quand on veut faire plaisir aux femmes. Ça nous retombe toujours dessus. Remplacer la note qui est bonne pour la casse. Si c'est ça, moi je vote pour qu'on ait aussi école le dimanche. Est-ce que vous pouvez être bête alors? Pamela est la responsable du sport interclasse. C'est pas une nouvelle maîtresse. Elle vient pour sélectionner les élèves pour participer au décathlon. Ouais, et il paraît même qu'elle accompagnera les deux meilleurs élèves athlètes de la classe pour aller à la finale. Non. Mais vous faites pas d'illusions, ce ne sera certainement pas vous. Oh. Et vous savez ce que c'est, vous, le décathlon? Non. Tchou, les ignares, vous savez même pas ça? Parce que monsieur The Fetou le sait, lui, bien sûr. Exactement. C'est des méga épreuves pour devenir un super-héros. Et toc, même que je vais m'entraîner comme une bête pour arriver le prims, moi. Mais descends, profite. Ouais, et moi aussi, haha. Et comme ça, je serai premier ex-écho. Et on partira avec Pamela, ouais. Et puis pas vous, ouais. Et les champions, ouais. Salut la bande de nazes. J'en ai marre de ces deux pauvres bouffons. Bande de nazes, vous-même. Mais qu'est-ce qu'ils sont nuls. Tu vas voir, Manu, avec mon entraînement super intense top niveau, et ben la petite Pamela, c'est dans la poche. Alors, mon champion, est-ce que t'es bien installé, là? Ça va aller. C'est bon, on peut pas rêver mieux. Ah ouais? Et alors là, tu te rêves complètement, parce que c'est moi qui aura la côte avec Pamela. Est-ce que ça va, mon beau roux doudou en sucre d'orge que j'adore?
Ça roule plutôt super cool avec toi, ma petite Pam. Méga top ton t-shirt. C'est du XXL pour que mes muscles y puissent se développer à leur aise. Et ça, c'est les baskets de Magic Jumper. Eh ouais, c'est des Nike Speed Pump à air propulsé. Ça m'a coûté toutes mes économies pour me les payer. J'espère qu'ils t'ont vendu la pompe à semelle avec. Bon alors, c'est quoi les épreuves du décathlon? Le 200 mètres crotte de chien. Tu crois vraiment qu'ils s'entraînent comme ça, les super-héros? Bien sûr! Sauf que pour eux, c'est des fausses crottes piégées avec des explosifs atomiques! Et c'est parti pour un tour! Et attends-moi! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent encore, ces deux-là? Tu vas me dire? Je crois bien qu'ils s'entraînent pour partir à la finale avec Pamela. Ils sont vraiment bizarres, non? Le plus bizarre dans tout ça, c'est que Titeuf n'a même pas prêté attention à moi. Je crois bien qu'il y en a encore une que j'ai pas loupée. Heureusement pour toi que c'était une vraie, sinon t'aurais été désintégré en atomes minuscopiques. Maintenant, il faut qu'on traverse le grand lac aux eaux qui pue verdâtre sans se faire dévorer par l'horrible monstre préhistorique. C'est celui qui abatte les canards à la mi-pain, là, à côté, c'est ça? Mais non, c'est un autre monstre qui vit sous l'eau, là. Allez, on y va. Je crois que mes baskets, ils prennent l'eau, hein. Ils sont pas top qualité, alors, parce qu'avec tout l'air que t'as dans les semelles, tu devrais flotter. Oui, mais peut-être que je les ai crevés, mes semelles. Vraiment qu'il y a ce genre d'épreuve pour le décathlon? Tu parles, c'est juste qu'ils ne savent plus quoi inventer pour impressionner Pamela. Chou, air propulsé, tu parles d'une arnaque, c'est basket. Et maintenant, la grande épreuve pour les fortiches. Imagine que t'es attaqué par des parasites martiens avec plein de yeux partout qui te balancent des rayons laser méga empoisonnés. Ouais, il faut tous les ratatiner. Allez. L'attaque! Aïe! Alors, le sale petit nain, j'ai comme l'impression qu'on veut jouer avec Momo la masse! Attila! Allez, attaque-les! Et toi aussi, Manu. Vous êtes tous les deux sélectionnés. Demain, j'aurai le plaisir de vous accompagner pour la grande finale. Je te préviens, c'est moi qui monte devant, d'accord? Ça va pour la tête, toi. C'est moi qui monte à côté de Pamela. Allez, montez les microbes, les deux derrière. Et que ça saute, j'ai pas que ça à faire.
Pamela a chopé un mauvais rhume hier après-midi, donc c'est moi qui suis obligé de me taper la corvée. Oh, c'est vraiment pas juste. Maman, mais qu'est-ce que c'est que ça, maman, le bourre-cochon? C'est la spécialité de Madame Blondin. C'est ton père qui appelle ça comme ça. C'est parce que la dernière fois que j'en ai mangé, j'ai eu des crampes d'estomac épouvantables. Oh, je viens pas à ce dîner chez Madame Blondin. Si, Titeuf, on y va tous. Il y a un emploi de chef de service au supermarché et Madame Blondin peut aider ton père à l'obtenir, alors pas de discussion. Et en plus, pense qu'il faudra faire honneur à son plat. Tcho! Oh non, il n'est pas question que je mange du bourre-cochon. Et puis, Madame Blondin aimerait que tu joues avec sa petite nièce, qui n'est autre que la fille de son neveu, soit le patron du supermarché. Alors je compte sur toi, mon fils. Tcho! Nous y voilà. Ouf! On se perd tout le temps dans ces banlieues. Passe-moi le cadeau. Titeuf, le bouquet de Madame Blondin. Oh, pardon. Chérie, et voilà Madame Blondin. Chère Madame Blondin, oh, quel plaisir de vous revoir. Voyons, c'est moi qui suis content que vous ayez accepté mon invitation. Tu dois sûrement être Titeuf. Ton père m'a si souvent parlé de toi, mon petit. Oh, approche que je t'embrasse. Vraiment, ce bouquet est magnifique. Alors, Titeuf, tu vas pouvoir aller jouer avec Marine. Elle est avec nous ce soir, c'est la fille de mon neveu. Marine! Oh, ouais. Hein? Hey, mais t'es fêlé du bocal, toi, ou quoi? Elle est un peu brusque, mais elle est tellement charmante. Vous le trouvez pas? Elle a l'air plus brutale que brusque, on dirait, non? On va jouer! C'est ça! Allez jouer, les enfants! Et surtout, soyez sages! N'est-elle pas délicieuse? Oui! On peut pas le nier! C'est tout le portrait de son père! Là, c'est Jennifer, c'est Lynn, Léa, et là, c'est Jessica. Tu mérites une punition, Jessica, t'as pas été sage! Ma pauvre poupette, tu as mal au bras. Ne t'inquiète pas, je vais te le remettre. Bon, maintenant, on va tous se baigner à la piscine. Tourne-toi, je dois aller changer. Tu crois vraiment que ça m'intéresse de voir tes poupées à poil? Tu regardes pas, hein? Tiens, Jennifer, je vais lui mettre de la crème solaire. J'en vends plus! Oh non! Mais t'es qu'une pauvre débile de la tête, tu vas voir ce qui t'attend! Mais qu'est-ce qui t'arrive, ma petite chérie? Le méchant garçon, il m'a mis la tête dans la piscine de la baignoire. Titeuf! Oh, vilain garçon, est-ce que tu n'as pas honte d'être méchant comme ça avec elle? C'est pas moi, c'est elle qui a commencé d'abord. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Dirai rien, je suis pas une balance, moi. Oh, pauvre peste! Quand tu seras grande, eh ben ton mari divorcera de toi avant même d'être mariée. Je dois aller vérifier la cuisson de mon plat. Ça y est, je crois que cette fois, c'est vraiment l'heure du bourre-cochon. J'ai pris des pilules digestives. Non! Tu veux la guerre, espèce de sale naine dégénérée? Mais qu'est-ce que...
mais moi je te trouve très mal élevé, mon jeune garçon. Et je suppose que votre nièce vous la trouvez bien élevée, cela va sans dire. Alors moi je pense que ces enfants s'agitent parce qu'ils ils sont impatients de goûter à votre spécialité. Je crois surtout que votre fils a des problèmes psychologiques. Moi j'ai pas de problèmes sociologiques. Alors ça c'est calme-toi un petit œuf. Est-ce que vous auriez des problèmes de digestion? Vous devriez bien vous soigner, vous savez. Mon cher mari, feu Édouard, que Dieu et son âme avaient tout le temps de graves problèmes digestifs. On se disait que ça se passerait jusqu'à ce terrible soir, juste après dîner. Il hurlait de douleur, plié en deux par d'abominables crampes. Oh, l'ambulance est arrivée et nous l'avons emmené à l'hôpital. Mais c'était trop tard. Au matin, j'étais devenue veuve. Il avait peut-être mangé quelque chose qui ne lui avait pas réussi. Oh, pensez-vous, je lui faisais que de la bonne cuisine. D'ailleurs, ce soir-là, je lui avais servi ma spécialité. Et aujourd'hui, c'est le plat que je vous ai préparé. Oh, j'ai sûr qu'il n'a pas dépassé la date de fraîcheur, votre truc. Fais un compliment à Madame Blondin, Titeuf. Tu viens de profondément la vexer. Madame Blondin, votre bourg-cochon est vraiment à mourir. Votre attitude est des plus inqualifiables. Et vous, ma chère Madame Blondin, votre cuisine est des plus infectes. Même si vous nous invitez plus jamais de la vie, vous pourriez peut-être nous donner la recette de votre délicieux bourg-cochon, hein, Madame Blondin? C'est ça. Même avec la recette, de toute façon, vous ne sauriez pas le cuisiner, mon délicieux bourg-cochon, comme vous dites. La vieille et sa nièce, je ne veux plus en entendre parler jusqu'au prochain siècle. Quant à toi, tu es privé de vacances pendant les 5 prochaines années. C'est vraiment pas juste. Je vous ai peut-être sauvé la vie. Titeuf a peut-être raison, chérie. Il nous a sûrement évité l'empoisonnement. En plus, si le père ressemble à la fille, il vaut mieux ne pas l'avoir comme patron. Alors, ils feraient vraiment n'importe quoi, rien que pour nous impressionner. J'ai une idée, tu vas voir, on va rigoler. Ça risque d'être vraiment trop drôle. Titeuf! Autre chose, mon vieux, t'allais battre mon record. Titeuf! Allez, cours vite, Roméo, va rejoindre ta petite Nadia chérie, je crois qu'elle a besoin de toi. Je cours si je veux d'abord. Sa place, moi j'irai pas. Les filles, on connaît jamais les histoires qu'elles peuvent avoir dans la tête. Ciao les filles. Hein, tu ferais absolument tout pour moi si je te le demande, Titeuf. C'est-à-dire que... ouais.
Bien sûr, enfin ça dépend. Ça dépend de rien du tout. Si tu m'aimes bien, faut que tu me le prouves. Je veux que tu me rapportes la reine des fourmis rouges. La quoi? Si tu fais ça pour moi, je te promets d'être ta reine pendant une semaine tout entière. Ma reine? Avec des bisous et tout le reste? Mais si tu rates, t'auras un gage que tu vas regretter. Tu seras mon valet et tu devras porter mon cartable pendant au moins 2 semaines. Alors, Titeuf, tu relèves le pari ou quoi? Ciao. Une petite fourmi, fastache, je parie que je te ramènerai même la couronne. Hé, hey, Titeuf, tu viens pas jouer au foot avec nous? Non, désolé, je peux pas. Je dois faire mes devoirs de maths une prochaine fois, les gars. Ces devoirs de maths, c'est pas possible, il est malade. J'aime pas ça, les gars, je suis sûre qu'il y a du Nadia qui se cache là-dessous. Je sais pas ce qu'elle lui a fait, mais en tout cas, on va bientôt le savoir. On dirait mon pépé quand il se met à danser le Parkinson. Bah, peut-être qu'il cherche du pétrole. La reine! Oh, oh, la reine! Où est-ce qu'elle se cache, cette maudite reine? Qu'est-ce que tu fiches, là? Rien, je cherche juste la reine des fourmis rouges. Quelqu'un peut me dire quelle tête elle a? T'es pas un peu fou de la tête, toi, les fourmis rouges? Faut jamais les déranger, c'est plein de bataillons de soldats qui sont armés jusqu'au sang là-dedans. Et si tu les embêtes, elles reviennent chez toi se venger par milliards de millions de millions. Elles t'empoisonnent quand tu dors et après elles te mangent le cerveau. Elles te mangent comme ça, tout cru? C'est dégueu. Je te crois pas, moi. Et comment tu pourrais savoir tout ça d'abord, hein? Moi, c'est mon père qui me l'a dit, parce qu'il travaille dans la totomologie et il est méga fort en insectes morts pour empaillage. Oh, j'y crois pas, les gars. Elles sont en colère contre moi? Tu crois qu'elles vont m'attaquer? Je sais pas. Et si la reine t'a vu, je te fais toutes mes condoléances parce que t'as saigné ton arrêt de mort. Au secours, les gars! Comment je vais faire maintenant? Il faut que je rapporte la reine des fourmis à Nadia. Sinon, je serai pas son roi. Et je vais être obligé de me taper le cartable de Dumbo pendant 2 semaines. Oh, Burke! Son nouveau avec les bretelles roses? Oh, je les comprends mieux maintenant, ces 2 super méga pestes. Vous avez vu, les gars, faut pas leur faire confiance aux filles. Fais quand même bien gaffe, mon gars, parce que si les fourmis rouges décident de t'attaquer, ça risque de chauffer grave pour ta mèche, tu vois. Dis, papa, c'est vraiment vrai que les fourmis rouges, elles attaquent leurs ennemis? Leurs ennemis, mais oui, bien sûr. Tu t'intéresses aux sciences nat maintenant? C'est normal, papa. Les sciences nat, c'est méga important à l'école. Oui. Tiens, un bon truc pour impressionner ta maîtresse. Souvent, les fourmis ne se contentent pas juste d'attaquer leurs ennemis. Elles les capturent pour qu'ils deviennent leurs esclaves. C'est fou, non? Allô? Alors? T'en es où? Est-ce que tu l'as? Ça y est? Tu ne m'oublies pas, j'espère. Finalement, tu préférerais pas avoir un verre de terre fluo ou bien un frelon de la mort? C'est super méga dur à attraper aussi, un gros frelon de la mort. Titeuf! Oh, je veux la reine des fourmis rouges, tu m'entends? Alors ne me déçois pas, Titeuf. Mais je rigole. Ah! T'as intérêt parce que j'ai rajouté 3 méga bouquins dans mon cartable spécialement pour toi. Je t'avertis, fais de la muscu! Oh! C'est la collecte de mon père. Fais gaffe, hein, parce que c'est tristement interdit d'y toucher. C'est bien une reine, ça? Je sais pas, moi, mais tous les autres, c'est sûr que c'est pas des fourmis. Bon, bah, tant pis. Prête-la, moi. Ça va pas, non, je vais me faire tuer par mon père, moi, s'il apprend ça. Il veut surtout pas que j'y touche. Ne laisse pas tomber, mon vieux François. Les fourmis rouges me recherchent. Dumbo vaut ma peau et je me retrouve tout seul au monde pour affronter tout ça et... Mais arrête un peu ton cinéma, Titeuf, je peux pas. Allez, s'il te plaît, François. Je te promets que quand je serai roi, la première chose que je ferai, c'est de nommer premier ministre. Premier ministre, ça serait pas mal. Ah, bon, d'accord, mais faut que tu fasses gaffe, hein. T'en fais donc pas comme ça.
C'est fait. Je crois que c'est comme ça, une reine des fourmis. Bah ouais. Il a l'air plutôt vache de lourd ton cartable. T'inquiète pas, je sens que je ne vais pas le garder longtemps dans les bras. Voilà mon portard. Alors, Titeuf, tu l'as, ma reine des fourmis? C'est bien une rouge que t'as là, j'espère. Tu vas voir maintenant. Ferme les yeux. Ça y est, la voilà. Vas-y, tu peux regarder. On va pouvoir être roi et reine pendant toute la semaine. J'ai gagné. Tu l'as, ta fichue fourmi. Reviens, sois ma reine, sale tricheuse. Tant pis, je le porterai ce maudit cartable à Dumbo. Mais reviens, c'est pochiste. Ma fourmilus tropicalus François. Je n'avais pas dit que c'était vachement dangereux de jouer avec les fourmis rouges. Ma fourmilus tropicalus. Ouais, c'est le trot. C'est parce que j'ai décidé d'inviter Nadia au cinéma cet après-midi. Waouh. À plus tard, Nad. Nadia, je peux te parler 5 secondes? Tu fais quoi? Est-ce que tu voudrais pas venir avec moi au cinéma cet après-midi? Hey, du slip. On drague comme les grands maintenant. Non, mais pour qui il se prend, celui-là? Et puis, qu'est-ce qu'il a de plus que moi, d'abord? Ce qu'il a de plus, c'est qu'il a 13 ans. Et qui dit 13 ans, dit 13. C'est un adolescent. Et ça, les adolescents, ben les filles, c'est tout ce qu'elles veulent. Elles adorent ça. Mais, oh! Mais qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord, hein? Ben, c'est à cause de ma sœur. C'est une ado, elle aussi. Et être adolescent, ça veut dire qu'on se goinfre de chips pendant qu'on regarde la télé et qu'on est complètement dingue des garçons qui ont plein de boutons sur la figure. J'ai décidé, Manu. Demain matin, bah moi aussi je serai un ado. Et comme ça, Nadia tombera red dingue amoureuse de moi. Non. Mais ça, c'est pas possible. Ma sœur, il lui a fallu au moins 3 ans. C'est pas pareil. Ta sœur, c'est juste une fille. Alors que moi, bah je suis un garçon. J'ai plus une seconde à perdre. Et en plus, tu vas m'aider. Hey, c'est génial, 13 ans magazine. Dedans, il y a plein de trucs pour les ados. Bon, ça t'intéresse pas, ces trucs ou quoi? Zado. Tu vas me lire ça vite fait et tu vas me dicter tout ce qu'il faut pour être ado. Allez, vas-y. D'abord, faut que t'aies sur la bouche du duvet de moustache. Ensuite, faut avoir plein de boutons d'apné sur la figure. Faut aussi avoir la voix qui se transforme. La voix qui se transforme? Mais oui, tu sais bien. C'est quand t'as les hormones vocables de la glande thyroïde qui se mélangent et que t'arrives à avoir une voix de garçon et une voix de fille. Et pour finir, oh! Il faudrait que tu sois plus grand, quoi. Hé! Hey, j'ai une idée. Le plus facile, ça va être de grandir. Tu vas monter sur le coffre. Tu vas t'accrocher à la tringle et moi, je vais tirer sur tes jambes pour qu'elles grandissent. Allez, vas-y. C'est un truc d'entraînement de champion du monde de saut bionique en hauteur. Ça fait allonger les tibias des fémurs et ça te fait prendre quelques centimètres. Oh, oh. Attends, je te fais la courte échelle. Tiens bon, Titeuf. Attention parce que là, je vais tirer un grand coup. Tire pas trop fort parce que si je mesure 2m50, et ben je vais avoir l'air plutôt nul devant Nadia. T'es complètement fou du slip, mon pauvre Manu. Un peu plus et je passais carrément par la fenêtre. Table. Oui, bah moi, pour grandir, je vais me goinfrer de yaourt. Ça sera beaucoup moins dangereux.
un autre. Quoi? Mais qu'est-ce qui te prend encore? Je croyais que tu n'aimais pas ça. Je sais, mais c'est pour fortifier mes os. Ils sont en pleine croissance de puberté. Tu vois mon fémur de tibia? Bah, grâce au calcium des yaourts, il a déjà grandi de 5 cm depuis le début du repas. Mais tu es encore trop petit, Titeuf. La puberté n'est pas encore tout à fait de ton âge. Bon, finissez de manger, moi je m'occupe de Zizi. Faut pas que tu manges trop de calcium, dis donc, parce qu'après tes os, ils vont grandir trop vite. T'inquiète pas pour moi, vache. Je commence à avoir l'habitude maintenant. Ouais, mais fais gaffe, tu risques de devenir directement un adulte. Adulte? Qu'est-ce que tu fais cet après-midi, hein? Alors, papy, on drague les minettes dans le parc? Moi, si tu veux, je ne fais rien aujourd'hui. Oui, mon grand garçon. Faudrait mieux que t'arrêtes immédiatement le yaourt. Par contre, les chips, tu peux en manger tant que tu veux. Je veux dire, plus t'en mangeras et plus t'auras de boutons d'apnée sur le nez. Génial, génial. Tu vas avoir autant de boutons qu'un crapaud. Nadia va être complètement dingue de toi. J'ai un bouton d'apnée. J'ai un bouton d'apnée. Ouais, mais t'as vu ça? Il est tout vert, ton bouton d'apnée. C'est pas grave. C'est comme les cerises, quoi. Après, ils mûrissent et hop, ils deviennent tout rouges. Bon, et maintenant, zou, direction chez François. Chez François? Bah oui, Manu. Pour mes moustaches. C'est bon, il est là. Tiens, salut les gars. Mais qu'est-ce que vous faites là? Oh, les gentils toutous et sa mémère. Hein? Oh là là. Hein? Merci François. J'ai pris 7 mm. La taille, c'est bon. Les boutons d'apnée, 1, 2, 3, 4. C'est bon. Le duvet de moustache entre le nez et la bouche, oh, impeccable. Maintenant, il manque plus que la voix qui se transforme. Pour transformer sa voix, pas de problème. Il suffit de se mettre 10 minutes dans le courant d'air. Comment tu me trouves? Je veux dire, un vrai ado. Jure sur la tête du grand Miguel. Croix de bois, croix de fer, si je mens, je vais en enfer. Elles vont te tomber en être dingue de moi. Ça, c'est sûr. Est-ce que t'as vu la page 5? Oh, j'y crois pas, le groupe des Toubines qui passe. Tu sais quand? C'est ce soir. Qu'est-ce que tu dirais d'aller au cinéma avec moi aujourd'hui pour voir les tyrannosaures de l'espace? Mais pourquoi ça? Est-ce que tu joues dans le film? T'as dû oublier d'enlever tout ton maquillage? Ben quoi? Je te plais pas? J'ai pourtant tout d'un adolescent maintenant, non? Pauvre Nuke, mais t'as rien compris? C'est pas comme ça, un adolescent. Là, il y en a plein, des vrais, des beaux, avec des vrais poils. En parlant de poils, ton premier poil de slip, tu l'as eu depuis longtemps? Ouais! T'en as combien? Et c'est des vrais? T'as peur de les montrer? Ouais, ça va pas, non? Toi, tu dors ici et toi, tu dors dans le fond, ma belle. C'est facile à piger, Manu. Il y a 6 places par compartiment et il y a que 5 filles dans la classe. Donc si tu fais le calcul, il y aura forcément une place libre dans leur compartiment. Ouais, d'accord, et alors? Et alors, si je reste le dernier de la file, eh ben ce sera moi qui irai dormir avec les filles et avec Nadia. Bah pourquoi?
Bon, on est 14 garçons, d'accord? Ça fait deux compartiments pleins et un qui sera en trop. Écoute, 14 divisé par 6 égale 13, donc c'est bien ce que je dis, il en reste un. Attends, 6, 14 divisé par 13. Ah ouais, ça a l'air bon. Et le numéro 1, ce sera moi, mon vieux. C'est over-rusé, non? C'est pas digne d'un génie. C'est bon. Hé, Vomito, qu'est-ce que tu fais, là? Hé, mon gars, mon nom, c'est pas Vomito. D'abord, mon nom, c'est Hervé. Et en plus, c'est pas ma faute. C'est eux qui arrêtent pas de me pousser. Ouais, moi aussi, je te pousse. Tu restes là, tu viens pas derrière moi. Est-ce que ça va durer encore longtemps, vos petites histoires? On voudrait passer, nous. Les enfants, laissez passer le monsieur et la dame. Couloir. Hé, Vomito, heureusement qu'on sera pas avec eux. Manu, Hervé et Titeuf, il ne reste que vous, donc vous irez avec le monsieur et la dame pour compléter le compartiment. Quant à moi, si vous avez besoin de quoi que ce soit, je serai à côté dans le compartiment des filles qui se trouve juste là. Mais c'est pas juste! Qu'est-ce qu'il y a encore, Titeuf? Tu as un problème? Mais c'est le compartiment des filles! Vous êtes pas une fille, vous! Les filles, ça a jamais une moustache! C'est tout ce que tu trouves à me dire, monsieur Titeuf. Eh bien, je conseille à monsieur Titeuf de filer immédiatement dans son compartiment et de se tenir tranquille pendant tout le voyage s'il ne veut pas que ça lui chauffe les oreilles. Et voilà. Comment ça va, Titeuf? Reste pas comme ça la tête en bas, sinon tu vas être malade. Hey, bon, je veux dire, Hervé, tu faut pas aller faire un tour dans le couloir, là, tout de suite. Non, merci. J'ai très sommeil. Ma maman m'a fait de la soupe d'épinards. T'en veux un peu? Tu prends tout ça de munitions? T'inquiète pas. Ma maman m'a donné aussi plein de cachets. Comme ça, je serai pas malade. C'est vraiment pas respirable du tout, là-dedans. Qui fait qui m'a piqué mon couffin? Rendors, et si je ferme la porte? Qui est là? C'est moi, Titeuf. Voilà, je suis un réfugié. Mon compartiment vient d'être attaqué. Oui, je comprends, Titeuf. Seulement, voilà, ici, c'est le compartiment des filles. Et tu n'as pas suffisamment de moustache pour y être invité. Ça va pas, hein, d'accord? Dites, monsieur, vous pourriez pas ronfler un peu moins fort? Silence! Oh, Godzilla! Tu ronfles! Super Kill! C'est Armageddon! Les zombies nous attaquent! Non mais ça va pas! C'est toi qui beugle comme ça! C'est malin, t'as réussi à le réveiller maintenant! Y a pas de bain, mais qui tiennent! Maintenant tu vas dormir ou je te jure que ça va mal se passer entre nous! Wow.
Ça va aller? Je suis là, mon vieux, hein, si t'as besoin d'aide, bien sûr. Vomito, tu m'as vomi dessus. Mais non, c'est juste... Hey, qu'est-ce que c'est que ce boucan? Est-ce que c'est possible de dormir ici? Ah! Mais il est vraiment dégoûtant, celui-là! Non, mais ça va pas la tête! Hey, laissez-moi rentrer, espèce de monstre dégénéré! T'as de pédoncule radioactif! Mais il en manque un. Qui est-ce qui pourrait bien manquer à l'appel? Ce serait pas Titeuf qui manque, maîtresse? Titeuf? 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 Titeuf, dépêche-toi! Le train va repartir! Oh, oh là là là! Les enfants, montez vite dans l'autocar derrière vous et attendez-nous au chalet! Au fait, je m'excuse pour ce que j'ai dit sur la moustache, Titeuf, ça suffit comme ça! Ah, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il avait un plan de génie over rusé qu'il avait préparé lui-même! Un plan over rusé? Wesh! Bah, y a-tu y avoir un bug? Au Moyen-Âge, les damoiselles et damoiseaux s'échangeaient souvent de longs et langoureux baisers amoureux. Bah, ils s'embrassaient sûrement avec la langue, tu crois pas? Et ils se déclaraient mutuellement leur flamme. Wow! Et comment ils faisaient pour pas se brûler, madame? Un peu de silence. Si vous n'êtes pas capable d'apprécier ce qu'il y a de magnifique dans la poésie, alors je continue. Si malheureusement pour lui, la jeune femme ne l'aimait pas, le jeune homme préparait un filtre d'amour. Oh, mignonne, douce amie, qu'on ne vit jamais si joli minois, pareil au teint de la rose qui ce matin s'est éclose. Et je te dis ça... Préparer un filtre d'amour. Il suffisait de déposer un cheveu de l'être tant aimé sur son portrait. L'amoureux était alors sûr de réussir. Titeuf, Titeuf, et un filtre pour la dictée. Ça te ferait redescendre sur terre. Après Jean-Claude. Un cheveu de Nadia, ça doit pas être trop compliqué à trouver, ça. Pauvre Nuke, me dis pas que t'as cru à ces bobards sur l'amour. T'imagines aussi, un cheveu de Nadia sur sa photo et hop, mon vieux, c'est dans la poche. Regarde-toi, t'as des yeux de crapaud farci mort d'amour. Et pourquoi ça marcherait pas d'abord? Suffit, Titeuf. Va rejoindre ta place immédiatement. Je crois que Nadia, elle te pardonnera pas ça avant 5 ans. M'en fous. J'ai la moitié du filtre. Montre plus que la photo. C'est bon, y'a personne. Ah.
toujours. Du moment que ce qu'on met dedans, c'est du 300 jaja. Si blanc vu. C'est bon, ça devrait suffire. Ah! Oh non, là, c'est pas vrai. On voit rien du tout. Je sais pas ce que j'ai bu avant, mais en tout cas, c'est pas du joli. Alors, Titeuf, elles sont plutôt réussies, tes photos de l'homme invisible. Hé, c'est pas pour les filles, ça. Comme tu voudras. Allez, à plus. Hé, hey, Dumbo, attends, j'ai un truc à te demander. Non, Titeuf, je peux pas faire ça à ma meilleure copine. Alors, t'auras pas le cheveu de Kevin Lover, ton chanteur préféré. Que c'est dommage. Avec ça, t'aurais pu le rendre complètement raide dingue de toi. Et d'abord, qu'est-ce qui me dit que c'est vraiment le sien et pas un vieux poil de brosse à dents qui traînait dans le coin? Parce que je l'ai acheté sur Internet. Et si tu me crois pas, t'as qu'à comparer l'ADN. Bon, c'est d'accord, ça va. Quand tu veux, je t'amènerai Nadia. Cool, cabine du photomaton dans une heure. C'est maintenant ou jamais. Ici, c'est sûr que les photos de Nadia, elles peuvent pas m'échapper. Mais qu'est-ce qu'elles font? Tiens, si on s'amusait à être des super top modèles. Ouais, super bonne idée. On n'a qu'à faire deux photos chacune et c'est toi qui commences, d'accord? Mais qu'est-ce que c'est? Non, c'est rien, c'était juste mon pied. Oh, tchut, faut que je fasse moins de bruit. Allez, mais vas-y, bouge de là. Ouais, eh ben c'est pas très moderne tout ça. J'ai déjà vu des photomatons qui te disent tout ce qu'il faut faire. Attention, chère cliente, préparez votre sourire pour la troisième photo, s'il vous plaît. Non, mettez-vous plus de profil. Vous êtes bien plus jolie comme ça. Attention, Nadia, si tu veux découvrir la prochaine fiancée de Kevin Lover, regarde les deux premières photos qui vont sortir. Tu perds la tête, ma fille. En tout cas, elles pourront te servir pour ta future inscription chez les folles dingues. Oh, oh, bah, oh, ça pille, oh. Vachement de temps pour les photos, dis donc. Parfait. Ça va faire plus de 10 minutes. Maintenant, elles ne sortiront plus. Voleuse de machines. Allez, laisse tomber, viens, on y va. C'est bon, je peux y aller, elles sont parties. Merci. Hein? Bien le bonjour. Hein? Un petit peu plus à droite, s'il vous plaît. Allons, allons, les enfants. Restez tranquilles et souriez, c'est la dernière. Attention, les enfants, le petit oiseau va sortir. Ouais! Eh ouais, mamie. T'arrives trop tard, et pauvre slip. Tu viens de louper l'occasion de poser à côté de ta Nadia chérie pour la téternité. Moi, j'y peux rien, moi, c'est de la faute du maton. Où est-ce que tu veux pas l'acheter, ma photo de classe? Mais tu n'es même pas dessus, mon choupinou. Mais j'ai failli y être. C'est pareil. Mais est-ce que tu as la moindre idée de ce que cette photo va nous coûter, hein? Allez, maman. Oh, maman. Hé, hey, salut, Nadia. Ça va pas, non? Espèce de nuque pauvre type. T'es vraiment qu'un nul, toi. Il marche même pas, ton filtre à la noix. Alors là, je peux le dire. C'est vraiment pas juste.
injuste. Tchou.